Yo, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour un soin énergétique. On va même dire une libération de tes super pouvoirs. Pourquoi? Parce que tu es certainement médium, thérapeute. En tout cas, tu utilises ton intuition pour ton activité professionnelle, pour ton business. Et tu as envie d'aller débloquer certaines fonctionnalités dans ta médiumnité, comme peut-être aller connecter beaucoup plus facilement à tes clients pour recevoir de l'information, ou être beaucoup plus précise dans l'information que tu reçois, te sentir beaucoup plus à l'aise quand tu vas exprimer ces informations et pas te dire ah, je suis complètement à côté de la plaque, comment elle va recevoir cette information? D'aller en fait unlocker toutes les fonctionnalités que tu peux avoir au-delà même de ce que tu peux avoir conscience. Parce que ce que je dis souvent à mes clientes qui sont dans le programme Super Pouvoir pour aller débloquer, pour aller connecter à leur capacité extrasensorielle, puis expérimenter les rêves lucides pour avoir des informations pour leur business, expérimenter la connexion aux autres pour leur business, expérimenter leur propre connexion à leur corps pour obtenir des réponses dans leur business. Je me répète, pour leur business. L'idée derrière, c'est bah, dès que tu as conscience de ce que tu pourrais faire, c'est de te dire, bah, moi, j'aimerais trop pouvoir faire ça, ça, ça. Bien déjà, si ça vient à ta conscience, c'est quelque chose que tu peux déjà utiliser, que tu peux déjà appliquer, que tu peux déjà mettre en œuvre, en fait. Tu sais, souvent, quand tu as envie de développer ton intuition, tu penses qu'il y a un protocole particulier de comment tu vas recevoir l'information. Tu penses que c'est totalement hors de ta portée. Or, c'est quelque chose de très, très, très simple. Je peux simplement te dire que moi, ma méthode, en tout cas, c'est d'aller davantage te faire confiance, en fait. Te faire confiance dans l'information que tu reçois, les pop-ups que tu reçois, les clairvoyances que tu reçois, les clairaudiences que tu reçois. D'aller davantage te faire confiance et oser exprimer ce que tu reçois. La plus grande force que tu pourrais avoir, puis la plus grande clé, la plus grande astuce que je peux te partager, c'est d'aller oser exprimer l'information que tu reçois pour quelqu'un ou pour même toi-même, de l'exprimer à haute voix. Ça va venir éveiller et faire grandir ce super pouvoir intuitif que tu as. Que tu as déjà, ok, on est tous intuitifs, il y a certaines affinités ou non à ces à cette intuition que des personnes vont vouloir absolument développer au travers notamment aussi des capacités extrasensorielles que j'appelle intrasensorielles parce qu'évidemment, c'est des choses qui sont à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton corps. En tout cas, ce soin énergétique, il est là justement pour te permettre d'aller unlocker ça, que tu aies conscience de tes capacités extrasensorielles et que tu n'aies pas conscience de tes capacités extrasensorielles. L'idée au travers de ce soin, c'est d'aller justement au-delà de ce que tu peux avoir conscience pour pouvoir te permettre d'ouvrir ce canal et te permettre d'ouvrir à des nouveautés auxquelles tu n'aurais même pas pu imaginer et que dans les prochains jours, tu vas pouvoir recevoir en information. N'hésite pas à me partager toutes les nouveautés qui sont passées pour toi, qu'est-ce que ça a fait ce soin énergétique? J'ai hâte de savoir ça aussi en commentaire. Donc, partage-moi tout ça en commentaire. Et puis, je mets une petite attention là avant de te partager ce soin. L'attention, c'est, je sais que souvent, il y a des peurs liées à cette ouverture de conscience. Sache que ton corps est tout à fait apte. Tu peux demander aussi si évidemment il y a des peurs liées que ça se fasse en douceur, que ça se fasse tout en douceur et que ça se fasse au mieux et au plus adapté pour toi. Sache que tu as les rênes à chaque fois, que tu es ton propre décisionnaire et donc tu as les rênes aussi pour ouvrir ce canal et pour te sentir le plus à l'aise, puis que ça soit en paix, agréable pour toi, toute cette ouverture
à cette information du champ quantique. Je te souhaite un très bon soin énergétique. Je vais me connecter à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, puis il sera de plus en plus actif, plus il y aura de personnes qui écoutent ce soin. Et puis, on va faire ça avec l'huile essentielle de pin sylvestre. Je t'envoie les énergies de ce pin sylvestre pour toi dans ce soin énergétique. Et puis, je te dis à très bientôt. Je te souhaite une très bonne journée, soirée, où que tu sois. Ciao.